Bonsoir, nous sommes Bagarre et on va vous parler des musiques sur lesquelles on fait la main. Ah oui, ah oui, touchez-vous les uns les autres. Alors, moi j'ai choisi They Come They Go de Tommy Genesis, qui est une rappeuse canadienne. Et en fait, il y a un truc dans ce morceau, c'est d'abord la voix de Tommy Genesis qui est genre exceptionnelle, qui est assez basse, qui t'emporte vraiment. They Come They Go, ça veut dire globalement, ils jouissent et ils s'en vont. Moi c'est un peu particulier, moi mon choix c'est Wasting Love d'Iron Maiden parce que je suis un gros fan d'Iron Maiden et que je trouve que faire de l'amour sur de la musique c'est un peu cheap. Alors du coup j'ai choisi le morceau un peu love le plus cheap du monde avec le clip le plus cheapou pour essayer de c'est tout pourri ce que je viens de dire là. J'ai zéro flex. C'est un clip qui quand j'étais gamin m'excitait un peu. Et ça me faisait péter un câble, c'était plein de bougies, tu voyais une meuf sur un lit et tout, c'était hyper beau. Et bref, je me suis rendu compte quelques années après que faire l'amour sur de la musique, je me battais les couilles. Moi j'ai choisi du coup une chanson de Kia qui s'appelle My Neck, My Back, qui est une chanson bien cul dans l'instru, mais surtout dans les paroles. C'est un peu... c'est assez drôle, c'est un peu une chanson en forme de tuto, quoi. Elle explique... Non, mais c'est vrai, elle explique un peu du début à la fin comment bien faire l'amour, incuni, à une femme, comment faire jouir une femme. Et c'est assez cool, et le clip est assez crado aussi, mais cool. My back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy. Alors moi j'ai choisi comme morceau pour faire l'amour I'm a Slave for You de Britney Spears. Britney Spears, bien sûr. Le morceau est sorti quand j'étais plutôt enfant, mais quand j'ai la première fois que j'ai ken. Je crois que ce morceau il a été hyper important parce que c'était un morceau où j'avais l'impression que c'est un morceau qui donnait le droit de ne pas être forcément qu'un garçon. Quand tu kennes les premières fois avec une fille, t'as une image hyper réduite de comment tu dois faire l'amour. Et ce morceau-là, il m'a un peu secrètement, il m'excitait. Je me disais, putain, c'est vrai que je peux faire tout autrement, je peux être a slave for you. Et du coup, c'est un truc qui est resté hyper en background de ma sexualité adolescente, et puis qui après, en grandissant, est devenu un peu plus réel. Ouais. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into... Moi, j'ai choisi le code de Ichon avec Body Banane parce que, en fait, c'est Emitizer et c'est pour. En fait, il parle surtout d'un mec qui, je pense, a envie de rejoindre sa copine pour faire l'amour et qui a oublié le code et il est coincé dans la cour. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une situation que beaucoup de gens, enfin, que moi, j'ai déjà vécu à Paris. C'est vraiment un truc quand t'es en chien et que t'es coincé et que t'as oublié le code. Et le code, là, devient un truc hyper important, quoi. Et vital. Et cette chanson, sinon, est très suave et sensuelle. Et je ne l'ai jamais fait, en fait, mais j'ai bien envie de faire l'amour dessus. Je pense que ça doit être assez agréable. C'est vrai que le code, dans ces cas-là, devient quasiment plus important que le fait de faire l'amour. Ouais. Je pense que quand il y a le truc, le petit bip vert là qui s'allume, que tu as fait toutes les possibilités, que tu as essayé toutes les touches qui avaient l'air un peu plus usées et tout, en fait, tu entretiens tout de suite un rapport qui devient hyper sensuel avec ce digicode là. Les touches là, que tu appuies sur les touches. C'est pas ça. On le sait, on ne sait plus. Un pied dans l'œuvre, l'autre pied dans l'œuvre. Mais il y en a une autre, Honolulu. Je pense qu'elle est bien aussi. Elle a un truc très chill, très pour peut-être les préliminaires. Très romantique. Ouais, qui marcherait bien pour le préliminaire romantique. C'est vrai que t'as le code et que t'es rentré dans la maison et que tout le monde est content de se retrouver. Oh,